j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade, mais ça me tenait à cœur de faire le vlog traditionnel de cette année pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2023. Donc je vous ai filmé quelques séquences et je vais vous laisser donc avec celle-ci. Je vous retrouve à la fin de ce vlog car oui, j'ai complètement oublié de faire mon introduction ce matin et c'était une journée incroyable, extraordinaire. Bref, on en parle en fin de vidéo. Be speaking later, yes? Okay. Donc là, quand on a su qu'il y avait un nouveau roman dans l'univers, on était hyper contente. Donc on a réussi à avoir les droits de traduction, donc quelque chose de très chouette. Et donc on s'est dit qu'il faut absolument qu'on sorte en même temps que la VO, enfin, comme ça on sait que les fans sinon, vont lire que en VO. Et nous on dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux romans dans cet univers-là, donc on avait vraiment envie que ça sorte en même temps, donc ce qui est quand même un gros challenge. Et donc pour cette fois, on a fait appel à deux traducteurs, donc Marie-Hélène Delval et Eric Moreau. En général, pour entrer avec un éditorial, surtout sur un texte aussi long, il nous faut bien 4-5 mois. Là, on en avait deux, donc on était prêts. I don't know if my English is great, but okay. Very good. Okay. I started reading Eragon this year. I read it with my boyfriend this summer, and I didn't finish yet the first volume. On vient de terminer l'interview et le petit moment privilégié avec Christopher Paoni et j'ai rencontré Sachtel. Oui. Ça faisait des années qu'on se connaissait sur Instagram et qu'on s'était pas rencontré, donc là aujourd'hui c'est notre première rencontre et je sais pas si pas des moindres en plus, hein. Ouais, franchement pour un événement de qualité. Clairement, et parce que je voulais te demander ce que t'en as pensé de ce petit moment. Non, mais incroyable, vraiment vous êtes pas prêts de ce que Laura va vous proposer d'ailleurs. Incroyable. Les vraiment. Étoiles dans les yeux, je trouve. Ouais, même ouais, l'âme aux yeux même. Ouais.
Eh bien, me voilà rentrée de Montreuil et c'était une journée courte mais intense et j'ai tellement aimé. C'était vraiment trop chouette de déjà recroiser tous les copains-copines, de rencontrer de nouvelles personnes dans la vraie vie et de partager tous ces moments autour de la lecture. Ce matin a été incroyable. La rencontre avec Christopher Paolini, c'était vraiment un moment privilégié. Je remercie beaucoup Paige Turner pour cet événement et ici à Bayard Jeunesse. Franchement, c'était incroyable. On a eu plein d'anecdotes, etc. Mais ça, vous en saurez plus très prochainement puisque je vais faire une vidéo autour de ça, justement, de cette rencontre et de l'univers d'Eragon et de l'auteur, donc je vous en parle pas plus. Pour faire un petit retour sur le SLPJ, alors moi j'y suis restée qu'une demi-journée dans les faits, mais c'était vraiment très très intense. J'ai craqué, évidemment vous aurez un petit haul la semaine prochaine et je n'étais pas censée avoir des dédicaces mais j'ai réussi à en avoir et grâce à Anaïs de la chaîne Siana's Book, donc je vous invite à aller la remercier pour ma part en vous abonnant à sa chaîne qui sera dans la barre d'infos évidemment et j'ai pas trop filmé comme d'habitude, j'ai profité surtout du moment présent mais surtout c'était parce qu'il y avait aussi énormément de monde. Je sais pas pourquoi mais j'ai ressenti que cette année il y avait vraiment beaucoup plus de monde que les années précédentes. Alors comme il y avait le Covid etc, je sais pas s'il y avait des jauges peut-être encore présentes l'année dernière, mais peut-être aussi avec BookTok qui a explosé, il y avait énormément de monde, c'était vraiment parfois insupportable et insoutenable où on pouvait à peine avancer. C'est un événement qui regroupe énormément de personnes et qui est énorme et donc forcément on a du coup beaucoup de monde qui circule. C'est pas nouveau mais là je l'ai vraiment trouvé comme quelque chose qui m'écrasait plus que les précédentes fois et c'était parfois vraiment très compliqué d'avancer ou même de sortir. Je suis aussi un peu agoraphobe donc ça n'a pas aidé, mais à part ces moments là franchement je trouvais que c'était vraiment une très belle journée, j'en ai bien profité, j'ai adoré. Donc voilà, c'est l'essentiel, c'est que vraiment je ressens avec les étoiles plein les yeux. C'était une journée aussi très fatigante et éreintante. Mais voilà, donc cette année ça ne se fait que sur une journée le SLPJ pour moi. Peut-être que les prochaines fois ce sera sur un week-end. Mais là c'était déjà super, c'était extraordinaire. J'espère que ce petit vlog du coup vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires et à me dire vos ressentis sur ce SLPJ édition 2023 et sa 39e année. Du coup l'année prochaine j'y retourne évidemment pour la 40e année car je pense qu'il prévoit aussi des choses un petit peu en grand. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si ce n'est pas fait, ça me fait plaisir, merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre, ça me fait énormément plaisir, ça me touche. Donc n'hésitez pas aussi à interagir dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le book haul de ce salon du livre de la presse jeunesse de 2023 et jusqu'alors prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.